bonjour à toi. Je me prépare, je m'en vais au gym, mais avant, je voulais faire un petit coucou vite fait sur un des produits de Nova Forma qui est coup de cœur absolu, le collagène. Bon, collagène, c'est comme un mot maintenant rendu populaire, puis effectivement, on le retrouve un petit peu partout. Il y a différents types de qualité aussi de collagène. Il y a différents types aussi de format de collagène. Mais celui de Nova Forma, pourquoi que je l'aime, c'est qu'il est hydrosoluble. Donc, il va aller directement dans l'eau et il va faire en sorte qu'il va aller se mélanger. Donc, lui, il est buvable. Bon, j'ai du collagène aussi pour la peau. Il y a des formules en capillaire aussi, comme le collagénique d'ATP qui est excellent. Mais celui-là, la différence qu'il y a, exemple, avec celui en capillaire d'ATP, c'est que, comme le collagénique d'ATP, lui, on le prend, il va aller vraiment à l'intérieur, puis il va aller stimuler un petit peu plus au niveau de ton interne. Tandis que lui, le collagène liquide mélangé avec de l'eau, l'eau, on le sait, elle passe les parois de l'estomac directement. Donc, c'est comme si tu vas aller donner un vent de fraîcheur interne. En plus de ça, dans ce collagène-là, il y a de l'acide hyaluronique. Qu'est-ce que ça fait de l'acide hyaluronique? C'est comme un petit peu tout ce qu'il pourrait y avoir comme effet cimenté. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça va aller regorger, redonner dans le fond, de la force partout où est-ce que ça voit qu'il manque un petit peu plus de formulation interne. En plus de ça, quand tu prends du collagène, moi, je le prends toujours quand je m'entraîne ou justement durant la journée. Faites attention, j'ai mes petites clientes un petit peu plus excessives qu'elles veulent tellement des résultats formidables, performants, donc ils vont prendre du collagène, mais un petit peu trop. Il faut faire attention parce que tout doit être bien dosé. Donc, une scoop de collagène hydrosoluble, moi, je trouve que c'est suffisant dans une journée. Personnellement, comme là, j'ai un 500 ml d'eau, je vais plus aller avec une demi scoop parce que durant la journée, je vais m'en faire un deuxième. Trop de collagène, qu'est-ce que ça va faire? Bien là, c'est qu'à un moment donné, ce qui va se produire, c'est que c'est une molécule qui doit être transformée, qui doit passer par tous les systèmes de filtration. Puis, à un moment donné, si le collagène a fait son travail, puis tu en prends justement pratiquement tous les jours, bien, l'excédent, il faut que tu le passes. Donc, ça va repasser dans les filtres, ça va aller retravailler justement, bien, pas retravailler, c'est que ça va aller se faire refiltrer pour être éliminé. Parce que tout ce qu'on n'a pas de besoin, soit qu'on le stocke ou on l'élimine. Mais à chaque fois, avant d'être stocké et avant d'être éliminé, ça doit passer par tous les filtres vitaux qui sont foie, rein, intestin, tout ça. Donc, tous ces organes-là doivent, dans le fond, synthétiser l'excédent. Donc, c'est pour ça qu'un scoop de collagène par jour durant la journée, c'est ce qui est l'idéal, puis testé, approuvé. Puis j'ai une gang aussi qui ont testé ça, puis ça fait vraiment une belle différence. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire au niveau de tes résultats visibles? Quand tu bois du collagène liquide et que tu en bois beaucoup, premièrement, tu bois beaucoup plus d'eau parce que ton eau goûte le ciel. Et en plus de ça, c'est que quand tu bois ton eau, tu te sens vitalisé. Donc ça, ça fait vraiment un effet énergétique au niveau de ce que tu bois. Personnellement, j'aime beaucoup le prendre aussi quand je m'entraîne parce que je sens une restructuration à l'interne quand que je prends justement ce cocktail-là. Et en plus de ça, ce que ça va faire, c'est que les ongles, les cheveux, ta peau va se régénérer encore plus. Et comme c'est un mix de collagène et d'acide hyaluronique, les deux ensemble font une formule idéale pour tout aller faire exploser ta beauté. Et la seule chose, c'est que, ben, en tout cas, moi, personnellement, là, ma repousse est à faire pas mal plus souvent. Yo! Ça, c'était un petit détail vraiment mignon. Puis mes ongles aussi, parce que ça pousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand tes cheveux poussent rapidement, tes ongles poussent rapidement? C'est que tu as une meilleure régénération. C'est vraiment ça que ça veut dire. Parce que les cheveux, c'est la cendre du corps humain. Tu vas dire, oui, effectivement. Sur un cheveu naturel, tu es capable d'aller faire un bilan de santé. Vraiment, là, les chercheurs se sont rendus compte de ça et ils trouvaient ça intéressant. Mais c'est vraiment tout ce que tu vis, tout ce que tu sécrètes, donc les médicaments, tout ça, tu es tout capable de voir ça à l'intérieur d'un cheveu naturellement naturel. Donc, quand tu as justement une pousse de cheveux plus rapide, plus dense, les ongles un petit peu plus forts, qui poussent un peu plus rapidement, ça veut dire que tout le reste aussi a une belle production à l'intérieur de toi. Donc, un renouvellement cellulaire, un renouvellement au niveau de ta peau. Bon, les rides, on les sent plus effacées parce qu'on les sent regorgées.
Encore là, je vais redire la même phrase que je dis tout le temps. Si tu en prends trop, ça peut faire l'inverse parce que là, tu peux acidifier ton système et ton système peut devenir plus lent parce qu'il doit tout filtrer. Donc, tu dois toujours bien doser. Tout ce que tu fais doit être de façon lifestyle, donc pas trop. Puis, il ne faut pas croire à ce qui est miracle. Donc, ça va t'aider, ça va te supporter, mais tu dois aussi bien manger, bien dormir, avoir justement une tête à toi, ce qui veut dire d'avoir des belles idées claires, être loin du négatif. Ça va faire en sorte que tout le système mind, body and soul va être optimisé. Donc, le collagène va aussi supporter ton apport au niveau de ton énergie, au niveau de ta reproduction pour faire justement toute la réparation. On le sait, le collagène, c'est très bon pour les fibres musculaires. C'est excellent aussi pour aider aider aussi aux protéines de bien s'installer. L'acide hyaluronique, elle, on en produit. Donc là, on fait juste en rajouter un petit peu. Puis ça, c'est dans le fond tout le galbe qu'on veut garder. Donc, le collagène, moi, le nouveau format, j'en ai pas trouvé un encore qui l'accote. Si jamais j'en trouve un, vous me connaissez, je teste tout. Tout ce que je mets sur ma boutique, j'ai testé. Je connais les gens qui produisent ces produits-là. Peut-être pas personnellement, mais je leur ai écrit, j'ai eu des contacts avec eux parce que je veux savoir de où ça sort. Je veux comprendre, connaître, m'assurer que aussi les produits que je te propose, ça vient de gens passionnés et surtout informés qui vont faire en sorte que tout ce qu'ils mettent dans leurs produits, c'est du top qualité. Parce qu'il y a tellement de mode maintenant, d'allégations que ils vont dire « Ah, il y a du collagène là-dedans, il y a du collagène dans ci, il y a ci, il y a ça. » Oui, mais un instant, là, c'est assez facile de mettre une petite drop de collagène dans quelque chose puis de mettre « avec collagène ». Tu sais, toutes ces allégations-là, moi, j'y fais vraiment attention. Donc, tout ce que je mets dans ma boutique, tu peux être assuré que je connais les représentants, je sais son fabriqué où. La majorité du temps, c'est toujours fabriqué au Canada ou très près. Bon, je vais vraiment au bout de mon savoir parce qu'après ça, quand je te donne un produit, ben j'en suis fière et je le sais, les résultats que tu vas avoir. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, on en discute. Chaque personne, elle est unique. Mais tout ce que je mets dans ma boutique, que ce soit les produits coiffants, les produits colorants, les produits au niveau du visage, je connais tout le monde qui les fabrique, je connais les représentants, je connais la gang, j'ai visité les laboratoires. Ouh, oui, je suis freak, mais je suis une bonne freak parce que je suis une personne qui, pour moi, je suis une leader dans l'industrie de la beauté, mais je sais à quel point c'est une industrie émotive et à quel point j'ai des gens qui ont été... qui, dans le fond, là, ils ont de la peine parce qu'ils ont été pris pour, justement, des nunuches qui connaissent pas ça. Ils ont fait confiance. Tu parles à quelqu'un, est-ce que tu aimerais rajeunir? C'est très rare qu'elle va te dire non. Donc, souvent, les gens sont portés à acheter un rêve, à acheter, justement, les produits. Donc, moi, quand j'ai vu toute cette industrie-là vous faire, justement, des fausses promesses et tout ça, j'ai dit non. Moi, je pars une boutique, puis ma boutique, tout ce qui va être dedans, je vais l'avoir testé. J'ai un panneau de filles qui testent aussi pour moi. Mais, sûr et certain, je vais savoir qui le fait, où c'est fait, comment c'est fait, est-ce qu'ils vont vraiment être consciencieux dans le choix des produits et est-ce qu'ils vont livrer ce qu'ils disent. Si c'est on coche oui à toutes ces réponses, parfait, tu peux rentrer sur mon site. Ou sinon, ciao bye! Moi, là, tout ce qui est de la frime, tout ce qui est de la bullshit, je deal pas avec ça. Même si tu vas me dire que c'est la meilleure affaire, c'est ici, puis que tu peux me donner 40% de rabais, puis je vais faire tant de markup, je m'en sac comme dans la 40. Moi, je vise le résultat, je vise la sincérité et je vise des relations à long terme de confiance très important pour moi. Donc, ce collagène-là, effectivement, est-ce qu'il va faire en sorte que je vais te rajeunir le visage de 5 ans? Pas certainement, je pense pas. Mais est-ce que ça va faire en sorte que, oui, tes rides vont être effacées légèrement? Oui. Est-ce que tes cheveux vont être beaucoup plus beaux, beaucoup plus soyeux? Oui. Tes ongles, même chose. Est-ce que tu vas te sentir vitalisé? Oui. Ça, je coche oui à tout ça. Est-ce que tu peux en prendre plus qu'un scoop par jour? Non. Et un scoop dans au moins un litre d'eau. Pourquoi? Parce que ça repasse dans tous tes filtres vitaux. Donc ça, je veux éviter ça pour toi. Mais un demi-scoop dans 500 ml d'eau deux fois par jour, effectivement, ça va t'aider et effectivement, ça va aller réhydrater, repulper et redonner vitalité à tout ce que tu es. Bon, ben, je te passe une super nouvelle journée. Je m'en vais m'entraîner
Et je vais justement shaker ça dans le petit shaker. Puis, c'était ça ma chronique au niveau du collagène. Puis, je vais vous en reparler. Il y a d'autres formes de collagène. Mais là, c'est vraiment, lui, mon préféré pour l'instant, pour ce qui est... Puis, le collagénique d'ATP, je l'adore aussi. Lui, j'en prends quand je m'entraîne. Quand j'ai besoin d'aller restructurer, justement, ma fibre musculaire. Ou si tu recommences à t'entraîner, que tu refais des marches, que tu redeviens très active, oui, l'autre collagène, parce que l'autre collagène est beaucoup plus ciblé au niveau interne musculaire performance. Tandis que lui est beaucoup plus ciblé au niveau hydratation, au niveau embellissement. Donc, lui, c'est vraiment ça son rôle. Et vous le savez, j'ai toujours des collagènes au niveau du visage parce que Clayton Chagall, c'est les meilleurs pour le collagène, selon moi, au niveau du visage. Lui, oui, il va aller te rajeunir de quelques années, mais il y a une façon aussi de l'appliquer. Donc, ça, c'est un autre chronique. Je te souhaite une belle journée. Et t'aimes, like, ben écoute, tu le sais, c'est toujours le trio. Partage, like, commente, parce qu'on aime ça, savoir qu'est-ce que t'en penses. Si tu as des idées de chronique, si tu as des questions, fais-moi les parvenir. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, même aussi, parce que souvent, vos questions, vous n'êtes pas les seules à se les poser. Donc, si vous avez une question, écrivez-moi. Si je pense que c'est pertinent de faire un vidéo, ben c'est sûr qu'il va y avoir un vidéo par la suite pour aller donner justement des réponses à plusieurs dans le même, dans le fond, dans le même schéma de pensée. Donc, je vous souhaite une super de belle journée et n'oublie pas, avance!